Salut à tous et à toutes, c'est moi le Brouillard Jeux Vidéo et on se retrouve pour Pikmin, épisode final! Enfin le final de Pikmin, la toute dernière aventure! Bon, je parie qu'il y en a qui n'ont pas trop aimé Pikmin, donc ils sont contents que ça se termine! Bref, sinon. Alors, bah, dans cet épisode, pas besoin de vous résumer, on a affronté un monstre qui ressemblait à un vaisseau de Star Wars. Et on a récupéré la dernière pièce du monde de la forêt. Bon, sinon, on a récupéré toutes les pièces sauf une qui se trouve bah, dans l'épreuve finale. Alors, on va y aller! Et on va terminer ce jour par le jour 19. Hein. Bon, ça aurait été marrant si c'était le jour 20, mais bon. Bah non, c'est le jour 19. Bon, voilà, l'épreuve finale, c'est comme ça qu'il a nommé la zone. Alors, vous voyez, les pistes d'atterrissage sont assez marrantes. On va spirale. Ah, par contre, il y a beaucoup de choses à faire hein, avant d'atteindre la pièce, c'est moi qui vous le dis. Alors, là, faudra utiliser tous les Pikmin. Hein. Alors là, vous voyez, cette zone, elle est pas très grande. Hein. On dirait un pied géant. Ah bah la pièce elle est là, dans un cercle. Donc là quand tu vois un cercle tu te dis ici maintenant. Tu vois il y a aussi un petit tactique, regardez là il y a des trois fleurs cracheuses. Hein. Sinon, alors cet endroit c'est assez lumineux, c'est assez chatoyant. Bon, je sais pas si on dit comme ça. Bref, sinon là on va devoir utiliser tous les Pikmin. Enfin quand je dis tous les Pikmin ça veut dire chaque couleur. Hein. Parce que si je dois utiliser tous mes Pikmin, mes 331 Pikmin, ça va pas trop faire. Bah sinon. Alors là, d'abord. Le mur est bleu clair. Là d'abord, on monte là. Alors là, je vais venir, pousse. Okay, ouais, attendez, il y en a que. Là, ils sont pas encore bienvenus, on va dire. Alors là, ouais, eux, ils vont pousser le pont pour que d'autres Pikmin passent. Hein. Voilà, donc en fait, eux, ils vont pousser le pont. Et peut-être que je devrais appeler d'autres Pikmin bleus. Ouais, en fait, j'aurais dû en prendre 50 de chaque. Alors, par contre, moi, la première fois que je suis venu ici, il y avait un truc que j'avais pas compris. Non, attendez. Non, on va d'abord aller chercher ce que je veux. Voilà, sinon, je reprends. Il y avait un truc que j'avais pas compris la première fois que j'étais venu ici. Un truc tout bête pourtant. Je suis allé chercher sur internet et quand j'ai vu ce qu'il fallait faire, je me suis dit, purée, je suis nul. Sinon, voilà. Hop. Et pourquoi je fais tout ça hein. Vous voyez ici c'est un endroit assez lumineux, chatoyant, je vous l'ai déjà dit. Voilà, vous voyez, là il y a des bombes rocs, donc ils vont les prendre. Il y en a encore de l'autre côté. Qu'est-ce que je vois? Il y en a deux par ici. Hein. Attendez, je vais me mettre là pour qu'ils viennent par ici, parce que sinon ils vont tomber dans l'eau. Là-bas. Oh purée, ils foutent les bons bras, ces andouilles. Bon, bah, ça commence bien. Bon, bah, sinon... Attendez, bon, bah, ils ont commencé à péter une moitié de mur. Bon, sinon, eux, les Pikmin bleus, ils ont bien travaillé. Maintenant, ils vont aller pousser l'autre pont. Voilà. On va booster, hein, là, parce qu'on doit faire tout ça en une journée. Je peux plus monter, c'est vrai, donc on va balancer les Pikmin un par un, qui double le coup. Ça a duré longtemps, mais bon. Là, par contre, il n'y a pas d'ennemi, hein. À part celui... Non, j'ai rien dit. Il n'y a pas d'ennemi qui va nous gêner, comme des coccinelles, des insectes ou tout ça. Non, il n'y a rien du tout, là. On est tranquille. On est tranquillou. Non, 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 ramenez pas. Ouh, j'ai chaud. Sinon, vous voyez, il y a des jets de feu, là. Vous allez voir, ils vont bien nous servir, après. Je sais pas pourquoi je prends les trois Pikmin, mais bon. Hop. Donc là, il me faudrait deux autres bombes. Attends, j'ai peut-être une idée, viens là, toi. Oui, il y a un trou ici, donc ils peuvent passer de l'autre côté. Ah ouais, ils voient les bombes. Donc ils sont pas si nouilles que ça. Je prends là. Voilà. Donc maintenant on va pas refaire la connerie. Il est où? Bah il est là. Sinon, reprenons. Là on va les lancer là-bas cette fois. Hop. Les rouges ils vont venir après, hein, vous inquiétez pas. Tout le monde va sortir, hein, je vous le dis. Voilà.
C'est bon, le mur est ouvert. Bah, le mur est ouvert et les pique-niques ont fini le pont. Et là, vous voyez, il y a un mur. Je vous montre ce que c'est. Et il y a un carton de 10. Vous vous dites sûrement quoi faire. Et bah, je vais vous montrer. C'est vrai que c'est assez difficile, hein, parce qu'au début, j'avais pas compris, je vous l'ai dit. Alors là, par contre, on va ranger les pikmin bleus. Eux, les pikmin bleus, ils servent qu'à pousser les jaunes dans cet endroit. Les jaunes, ils vont nous servir plus tard. Hein. Et d'abord, on va les ranger. Voilà. Donc voilà, hop, hop. Rentrez tous, dépêchez. Oh là là, j'ai recherché après. Bref, sinon. 10, ça suffit, parce qu'on en a besoin de 10. Tous fleuris, c'est génial. Bref. Alors là, après, ce qu'on va faire, regardez bien. Soyez attentifs, parce que... Là, regardez ce qu'on va faire. Donc là, vous voyez, il n'y a que des jets de feu. Donc on va les jeter ici. Voilà, on va jeter ici. Alors attendez, voilà, on va les rappeler. Hop, 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 ils vont nous suivre. Mais ils peuvent pas passer, donc après, regardez ce qu'on va faire. Si je me souviens bien, que ce soit par là. Bon, je crois que je me suis planté de côté. Je me suis planté de côté, excusez-moi. Pas facile, hein. Ah, vous voyez, les jets, là, ils arrêtent pas de cracher. Voilà, voilà. Oh là 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 là, je me souviens plus de quel côté. Ouais, c'est bon, ils sont tous morts. Bon bah là j'ai fait une boulette. Ils se sont tous noyés. Génial. Donc c'est pour ça qu'on va faire un truc. Je vais vous montrer un peu. Les bleus ils ont beaucoup trop. Venez par là vous. On va vous montrer les fleurs cracheuses. Ne vous inquiétez pas, hein. Ils vont pas mourir. Moi, je croyais qu'au début, ils mourraient, mais non, en fait, ils meurent pas. Voyez. Hop, des graines. Alors, j'en ai... Oui. Oh, voilà, oui, j'ai jeté 10 pikmin bleus dedans, donc là, il y a 10 pikmin rouges qui sortent. Bon, en feuille, par contre, ça fait... Ouais, sinon, vous voyez, je peux customiser mes pikmin de couleur. Hein. Je peux toujours les changer. Voilà, sinon, je vous ai montré un peu à quoi ça sert. C'est très utile. Alors là, par contre, je me suis planté, mais à mort. Je sais plus du tout comment on fait. Pourtant, je suis sûr que c'est comme ça. De toute façon, Olimar, il peut pas monter. Hein. Je vous le dis, il peut pas monter. Oui, il peut pas monter. C'est impossible. Je me souviens plus. Ah, je sais! Si, je me rappelle. Attendez. Regardez, regardez. D'abord, on les attire par là. On va faire ça. Hop, on les abandonne. Après, on prend les ponts. Alors là, les midis vont bientôt sonner. J'ai intérêt à me brouiller les fesses. Là, je viens de me souvenir. On peut toujours revenir là. Hop, je la rappelle. Et là, regardez. Hop. Voilà, et voilà, vous voyez, il pousse. Non, je peux passer, hein, hop. Oula, oula, attendez, on est super haut, là. Et voilà, c'est génial, quoi. Alors maintenant, voilà. Attends, le bleu, il va vraiment rentrer chez lui, là. Alors par contre, je voudrais essayer un truc que j'ai toujours pas essayé dans ma partie, j'y ai pensé, mais bon. Je voudrais essayer de le faire là, ou sinon. Donc là, ce qu'on va faire. Pikmin rouges. Et les héros jaunes, quand même, on faudrait. Bon, allez. On va en prendre 10. Ah, par contre, les bleus, ils restent chez eux, pardon.
Alors là, on va passer par là. Bah là, on doit aller tout droit. Hein. Non, attention, pas tomber dans l'eau. Voilà, parfait. Parce que je les connais, je vous l'ai dit. Faire gaffe là. Comment ça peut se passer? Alors là, arrête de me faire n'importe quoi, toi. Vous voyez, en fait, ils ont tout préparé. Alors là, par contre, faut péter le mur, ça joue complètement bien. Ah bon, à 60, c'est le vrai limite. Oh là, oui, ça va vite. Ah là, c'est bon, c'est déjà fini, c'est génial. Alors là, vous voyez, il y a une drôle de petite île au centre. Bon, on va pas aller la voir. On va d'abord péter le mur qui est là-bas, c'est un conseil. N'allez pas tout de suite au centre, sinon vous êtes dans la crotte. C'est moi qui vous le dis. Toujours un cœur tard, là, ça m'énerve. Alors, j'espère que ce mur il va aussi le péter à la vitesse de la lumière. Oh oui, oui, 60, ça se pète vite. Hein. C'est bon, c'est pété. Donc là, hop. Ce qu'on va faire maintenant. Parce qu'attends, on va monter là. Hop, hop, hop. On les laisse là. Les jaunes. Les, hein, je dis bien les. Ils vont venir. Ils vont tous prendre une bombe, qu'ils le veuillent ou non. Une bombe rock. Parfait. Alors là, hop. Hop, j'en garde un. J'espère que vous voyez bien, parce que là, c'est un combat super. Alors là, je m'approche. Et là, attention. Bam! Alors, voyez ce monstre. Regardez-moi ce monstre. C'est le chef des coccinelles. Ah oui, je déconne pas, c'est vraiment le chef, hein. Oui, j'ai vu ça sur internet, c'est le chef. Je vous le dis, c'est le chef. Et il est gigantesque. Alors là, par contre, lui, c'est pas une gueule qu'il a, c'est une bouche. Enfin, c'est une bouche. C'est une longue langue. Alors là, par contre, faut balancer la bombe rock dans sa gueule. Ou soit, laisser se faire avaler le Pikmin. Et c'est ce que j'ai fait comme connerie. Et là, après, faut appeler les rouges. Trop tard. Je voudrais bien que tu reviennes là. Bon voilà, en fait vous avez compris un peu le but. Il y a des Pikmin qui se cachent là, un petit peu heureux. Voilà, ouais, vous voyez un petit peu ce qu'il faut faire. Pas facile. Voilà, à chaque fois qu'on revient dans l'arène, la musique change, la chanson. Tourne-toi, saleté. Allez, vas-y, balance-lui. Go, 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 go. Revenez tous. Alors là, voilà. Alors vous voyez, c'est assez difficile, hein, parce qu'il n'arrête pas de bouger. Il a repris une bombe rock, mais je veux pas que tu viennes. Alors je crois que moi ce boss j'ai jamais réussi à le battre en un jour, hein, je vous le dis, jamais. Et ben on suit. Faut bien qu'il se dépêche un petit peu. Ah c'est super difficile en un jour, hein. Bon, il y en a qui ont réussi, hein, bien sûr. Mais moi j'ai jamais réussi de ma vie, hein, je vous le dis. Enfin de ma vie. Parce que là c'est un petit peu exagéré. Bon, y'en a un qui vient. Il se dégoûte. Allez toi. Rejeté ! Crado là ! Saleté. N'inquiétez pas. Hein. Ah oui, c'est vrai ! Faut qu'il ait la bouche ouverte. J'avais oublié ça. Ah, j'aimerais pas avoir ces coccinelles, hein, c'est bon que je vous le dis. C'est un boss, c'est vraiment saoulant. Hein. Il se tombe pas souvent en plus. C'est pas un cerveau qui l'a. Il lui a foutu à ses pieds.
Ça va pas marcher. Bon, alors là, vous voyez, j'ai assez du mal, hein. Alors, il a pas compris ce que je veux faire. Toi, tu tournes. Mais non, faut pas le poser à ses pieds. Oh là 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 là. C'est ça qu'ils comprennent pas parfois, c'est qu'il faut pas le poser à ses pieds. Mais en plus, ce qui est saoulant, c'est qu'il se tombe pas souvent. Dépêche-toi. Génial. La bombe a karaté, mais par contre, lui, il a bien eu le pique-mine. Hein. Ouais, bon, non, vous savez quoi? Comme j'ai jamais réussi à le battre en un jour, et en plus, là, le soleil va se coucher, on va... Bah, en fait, on va faire 19 et 20, parce que... Je vais jamais réussir. Alors là, je sais pas trop ce qu'il va nous dire, Olimar, parce qu'on n'a pas fait grand-chose. 19 jours depuis le crash. Ah, regardez! Bulbax Empereur. Mon radar m'indique que... Un spécimen géant de Bulbar a avalé la dernière pièce de Dolphin. Comment puis-je attaquer cette bête gargantueuse? Des bombes rock, des pikmin jaunes pourraient être efficaces. Voilà. Bah voilà. Moi, il a jamais montré ça. C'est le Bulbax Empereur. Voilà, c'est le... Ah, c'est le chef des Bulbax. C'est-à-dire les coquinelles. Ah, vous voyez, j'ai beaucoup perdu de pikmin jaunes. J'ai pas regardé combien j'avais plein de pikmin en tout. Que j'ai perdu beaucoup de pikmin. Vous voyez, on peut revoir nos infos. Bon, sinon on va y retourner. Bon, bah en fait, ça va se terminer au jour 20. Je retiens ce que je veux dire. Ça va se terminer au jour 20. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir vu 103 pikmin morts. Hein. 103. Et je déconne pas. Alors, je sais pas si dans mon ancienne partie j'ai fait pire ou pas. Mais là, 103 pikmin morts. Ça le fait pas trop. Hein. Pile 10. Donc voilà, on va refaire pareil. Bon, là par contre, on a toute la journée. C'est bien ça. On va en prendre 60 là par contre. Bon, là, on va lui claquer sa tête. Là, il a dit qu'il avait avalé l'une de ses pièces. Hein. Donc voilà, pourquoi il faut le tuer. De toute façon, lui, c'est un vrai bouffeur. Hein. C'est comme les Bulbas. Hein. Voilà, toujours qu'il y allait. Hein. Il s'est gamelé tout seul. Mais... Bon, alors là, je sais plus s'il est sorti de la Terre. Alors, s'il vous plaît, la caméra, remets-toi normalement. Non, là, je crois qu'en fait, il a récupéré toute sa vie. Je crois qu'il a récupéré sa vie. Alors, on va pas aller le voir sans avec les pipines sur nous. C'est pas ingénieux. Vous voyez, faut faire pareil. Faut toujours en mettre là le pikmin, hein, sinon ils vont se faire bouffer en un clin d'œil. Hein. Alors toi, qu'est-ce que tu fous? Je sais qu'il y en a un caché derrière. Voilà. Toujours en retard. Hop, voilà. Alors là, je crois que les bombes rock, ils sont infinis là-dedans. Hein. Sinon, on aura sûrement des problèmes. Hein. Donc, on va récupérer. Je crois qu'en fait mes pikmin rouges je devrais pas les mettre très loin en fait pour que je les rappelle vite pour qu'ils attaquent en fait. Attendez, je regarde si je suis là. Ouais, je suis là. Allez, on y va. Tout bien. Alors, je sais pas s'il a récupéré sa vie. Hein. Je crois que ouais. Alors, le pikmin est assez en retard. Alors, sa vie, je l'ai pas vu. J'ai rien à alors lui. Ah si, en fait, on va voir. Ah, il a récupéré sa vie. Et il y en a déjà un qui est mort. C'est vraiment difficile, hein. Ah, moi, j'ai toujours du mal avec lui. Hein. Bon, il y en a que je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de se foutre de moi en disant « Ah, il est super simple, vas-y !» Ouais, bah, chacun ses difficultés, ok. Oui, vas-y, balance, bien joué.
vite. Il perd pas de la vie assez vite, c'est ça qui m'énerve. Ah ouais, d'accord, je les ai pas tous appelés. Hein. Toi, tu vas récupérer une bombe. Tant que le Pikmin n'est pas mort, hein. On va l'utiliser. Ouais, parce que moi, ça m'évitera de perdre du temps. Alors, j'allais balancer, moi. Et là, on se met. Il est mort, ça y est, il est mort. Ah mince, mince. Purée, j'ai vraiment du mal, hein. Et cette vidéo, elle dure une minute, quoi, qu'il y a. Ah, ça c'est fini. Moi, j'ai du mal. Affreux. C'est affreux, affreux, affreux. Ah non, mince. Il s'est fait avoir. Bah non, ta face. Par contre, j'ai plus de mal. Quoi, il se lève déjà? Je vous dors, mec. Mais il se lève beaucoup trop vite. Ouh, il en a eu au cœur. Regardez sa vie. Il a même pas perdu sa moitié. J'arrive. La dernière fois que j'y suis arrivé, pourtant, il perdait sa vie beaucoup plus vite. Hein. Il est où? Mais qui t'a dit lui a balancé ça? Bon, alors là, je crois que cet épisode, il y en a beaucoup qui vont s'ennuyer un petit peu. Parce que là, je suis vraiment en galère. Il m'énerve un max, celui-là. Pire des lootbacks. Oh purée, mais vas-y! Mais c'est n'importe quoi! Vas-y! Il bouffe pas la bombe, mais par contre, le Pikmin, hein! Ah lui, il est délicieux, hein! Putain, en plus, il bave. Je crois qu'il s'est reçu la langue dans la face, là. Utilise une tactique bonne, je crois qu'il est évanoui. Enfin, évanoui. Comment dire? Dans les pommes, plus longtemps. Ah tiens, t'as oublié tout. Prends une autre bombe rouge. Et dépêche. Voilà, c'est bien. Allez, là il lui a foutu encore dans sa face. Hein. Oh là, il a perdu la moitié de sa vie. On est tous. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Oh purée, c'est quoi ça? Il me l'avait jamais fait ce coup-là. Ah là, on s'en sort plutôt bien. C'est bien là, bien joué toi. J'ai un pipi rouge avec moi. Attendez, je voudrais essayer un truc. Dépêchez. Ouh chaud là là. Oh là, il y a un rouge là. Faudra en fait me débarrasser des bonbons pour vous montrer un truc. Ok.
fallait bien le faire là, qu'est-ce que t'as fait? On est juste devant lui en plus. Donc là, ok, je sais même pas ce qu'il fait. Bon. Alors, attendez, je compte les pique-niques jaunes qui sont libres. 1, 2, 3, 4. Parfait. Il y a 4 pique-niques libres. Ce que je voudrais bien, c'est mon tour de vie. Donc la limite des gains de sommet. Toi, tu restes là, j'ai pas besoin de toi. Bon, voilà, alors, donc là, il lui reste plus beaucoup de vie. J'aimerais bien qu'il meure là, cette fois. Et venez, 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 venez. Ouais, il est toujours pas mort. Vite, 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 on se casse. Bon, j'ai encore un petit peu de mal. Bon. Allez, bah, vu le nombre de vie qui lui reste, plus ça dure 26 minutes, là, cette vidéo. Allez, il en reste pas beaucoup, là. Allez. Vas-y, va, on suit dans sa gueule, là. Venez, vite. Allez. Il est mort. Regardez. Il est mort. Il se casse. Il est mort. Et là, regardez la dernière pièce qui ressemble à une terre-lire. Il était temps, j'ai trouvé la dernière pièce, mon coffre secret. Et il est toujours aussi plein, j'ai bien fait de persister dans mes recherches. Je peux maintenant quitter cette planète sans regret, je vais même m'arrêter pour trouver quelques souvenirs pour ma famille. Voilà, Olimar a tout trouvé. Ouais, sinon on va tous l'appeler. Alors là, après, je voudrais bien essayer un petit truc que j'ai vu qui était assez marrant sur Internet. Alors là, le jeune et le rouge vont se séparer. Donc voilà, maintenant on va ramener la pièce. Et là, regardez, je prends tous les Pikmin jaunes. J'y arrive pas, je sais pas. Mais non! J'arrive pas à faire un truc que j'ai vu sur internet. Bon, c'est pas grave. En fait, j'avais vu un petit truc marrant sur internet, c'était pendant le combat final. C'est qu'en fait, les Pikmin jaunes portaient Olimar. Oui, vous m'avez bien entendu, ils portaient Olimar. Hein. Bon, j'y arrive pas. En fait, ils l'emmenaient jusqu'à son vaisseau. Quoi. Pas l'air de marcher, c'est pas grave. Bon bah voilà, on va ramener la dernière pièce qui ressemble à une tirelire, en plus c'est normal, c'est sa tirelire. Son butin. Toi tu viens là. Oh non, je sais. Voilà, donc on va se terminer. On va terminer le jeu sur ça. Alors par contre ce Pikmin là, il va rentrer. Mais vous allez voir, là-bas il y a une petite cinématique qui me fait assez marrer. Donc voilà, on va ramener toutes les pièces d'Olimar. Hein, regardez, nombre de petites queues. Ah, c'est peut-être le trou en fait. Et voilà, on a ramené on a ramené les sous d'Olimar. Hein. Moi, il repartirait pas pauvre. Ouais. J'ai finalement retrouvé toutes les pièces du vaisseau. Je peux enfin rentrer chez moi sur Okotat. Voilà, alors là, ils vont montrer le vaisseau complet. Hein. Bon voilà, il est complet, il est magnifique. Là, il est tout joyeux. Alors là, il va faire nuit. Je pose ma manette. Alors regardez ce qui est assez marrant. Regardez. C'est triste aussi, hein. Regardez. Bon là, c'est comme si on allait partir. Regardez.
Regardez, hop, tous les Pikmin se penchent d'un côté. Il leur dit au revoir avec sa main. Et là, regardez. Il leur dit au revoir de l'autre côté. C'est trop marrant. C'est trop fort. Je sais pas. C'est pas joli. Bon, là, il est un peu triste de les quitter. Plus des aventures. Sinon, bon, là, ils rentrent dedans. Hein. Alors là, regardez. Les Pikmin, bah, ils vont. On va dire vraiment au revoir là. Et là, regardez. Regardez bien. Hop, il se jette sur la coccinelle. Et il l'attaque. Vous avez vu? Vous avez vu? Ils attaquent les coccinelles alors qu'avant ils avaient peur. Les coccinelles, ils les attaquaient pas. Et grâce à Olimar, ils ont vaincu leur peur. Et ils peuvent combattre les coccinelles tout de suite. Ah, vous voyez, on voit le vaisseau de Neymar. On voit aussi la Terre, hein, notre magnifique Terre. Et là, regardez. Il y a plein d'oignons qui décollent. Parfois, j'ai l'impression de voir des oignons roses, mais non, c'est des oignons rouges. Ah si, regardez, il y a un oignon vert. Ah si, il y a des oignons bleu clair, rose et vert. J'ai vu un oignon vert. Pas trop fort. Bon, bref. Bon, là, c'est Olimar qui retourne chez lui, hein. Voilà, là, ce qu'on vient de voir, la tête d'Olimar près dans son vaisseau, c'est un peu comme au début. Mais bon. Mais voilà, il rentre chez lui. Là, je crois qu'il va jeter un dernier petit coup d'œil. Ouais. Mais voilà. Et il retourne chez lui. Alors voilà, là c'est les résultats. Voilà. Analyse finale. Alors, on a ramené 30 pièces en 20 jours. Pikmin survivant, 312. J'ai perdu 107 Pikmin. Alors attendez un petit peu. Attendez un petit peu, j'ai fait 30 pièces, j'ai ramené 30 pièces et là 20 jours, et dans mon ancienne partie, j'ai fait 30 pièces et 20 jours aussi. C'est fort, hein. Bon, bah, pff. Voilà. Sinon, attendez, Pikmin survivant. Ah, j'avais moins de survivants dans mon ancienne partie. Et là, oh la vache! Seulement quand le vaisseau est réparé. Ouais. J'avais perdu 172 Pikmin dans mon ancienne partie. Purée, c'est affreux. Alors là, vous voyez, là, c'est toutes les pièces. Vous voyez, il y avait le moteur principal, le positronator, le générateur infini, le super moulon, le radar bizarre, le compteur, bon voilà. Le cockpit NBC, le sagittaire, l'absorbeur de choc, la boîte automatique, le propulseur 1, le filtre à dioxyde, le stabilisateur méga, l'unité antigrave, l'intelligence artificielle, le satellite de garde, le balance, le boulon de secours, l'unité glionique, le Zocor Zicorium, la radio stellaire, l'usage du pilote, le propulseur 2, le Bobré, le réacteur chrono, bon ça c'est des objets bonus. Le missile Nova, la bouée spatiale, le siège de massage, la lampe à UV et le coffre secret. Voilà. Vous voyez, il y a des écritures bleues, donc ça, c'est un peu des objets en plus. Bonus. Bon. Voilà, là, on voit notre belle planète. À côté de moi, à côté de moi. Et voilà. Et voilà, mes chers amis, Pikmin, c'est terminé. On a terminé Pikmin. Alors, attendez, il va y avoir des images dans pas longtemps. Dans le coin noir, voilà. Voilà, vous voyez, dans le coin noir, il y a des images. Des belles images, toutes belles. Donc voilà, on revoit un peu le commencement et l'aventure d'Olimar dans le côté noir de la planète. Donc là, il y a de la musique et des images, pas comme Harry Potter. Donc, je vais vous laisser avec ce générique. Et pour ceux qui ont aimé Pikmin, il y a un épisode bonus sur les monstres, hein, je vous l'ai dit. Des monstres qui apparaissent qu'à un moment précis. Donc, en attendant que je vais aller me relaxer un petit peu, mais bien sûr je vais pas bouger, je vous laisse avec cette magnifique musique. Je la trouve très belle. Ces belles images qui nous rappellent tous nos voyages. Et avec notre belle planète. Et je vous dis à bientôt pour mon prochain jeu, qui sera sûrement sur DS, ou sinon... à mon épisode bonus. Allez, salut !
Tiens, j'avais oublié. Alors là, vous allez voir toute la liste de monstres qu'on a rencontrés. Bon, bah, en fait, je vous dis pas au revoir, j'avais complètement oublié ce truc. Donc là, je vais vous laisser avec la liste des monstres qu'on a rencontrés. Ensuite, on va voir un fin, en anglais, bien sûr, the end. Et là, après, je couperai, et là, on se dira vraiment au revoir. J'avais complètement désolé, excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Allez, et essayez de deviner quel monstre on verra dans les épisodes bonus. Allez, salut, mais c'est toi, pour de vrai.